télévision nationale congolaise. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue. Il a entamé sa première visite d'État mardi à destination de Beijing en Chine. Le président congolais a échangé ce lundi à Hong Kong avec Li Jiangxiao, chef du gouvernement de cette région administrative spéciale chinoise, sur le renforcement de la coopération entre la RDC et Hong Kong. Le point complet vous sera fait tout à l'heure aux 20h. Elle est l'une des villes la plus peuplée et la plus riche de Chine, Shenzhen. Elle se trouve à 32 km du nord-ouest du Hong Kong. Le président congolais s'est également rendu et a rencontré le docteur Liang Lua, président du conseil d'administration de Huawei. Ils se sont engagés sur la promotion des technologies de l'information et le numérique. Le point avec la presse présidentielle. Shenzhen, l'une des villes extra-modernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil réservé au président de la République et à son épouse n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être au diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature, effectuée par la délégation congolaise, sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du Numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Après Iturière, le ministre de l'intégration régionale, Moussa Niamoussi, s'est entretenu samedi avec l'intercommunautaire du Nord Kivu. Pour le ministre d'État, l'harmonie entre les communautés frontalières des Congolaises constitue un préalable pour le succès de l'intégration régionale. Le 27 mai, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussa Niamoussi, s'est entretenu à l'hôtel Béatrice de Kinshasa avec les délégués des communautés ethniques du Nord Kivu, réunis au sein de la structure dénommée intercommunautaire du Nord Kivu. Le patron de l'intégration régionale a, au cours de son intervention, évoqué le vivre ensemble, dont l'harmonie entre les communautés frontalières RD congolaises, dont l'Est constitue un préalable au succès de l'intégration régionale. Président de l'intercommunautaire du Nord Kivu, Jérôme Kandou a félicité le ministre d'État non seulement pour sa nomination, mais aussi pour ses entreprises en vue de rendre l'espoir d'une paix reconquise dans l'Est du pays. Nous sommes satisfaits de la réponse qu'il vient de nous donner et nous pensons qu'avec lui, nous allons évoluer correctement et que nous allons gérer un certain nombre de questions ensemble. Parce qu'en fait, sa réponse, elle est satisfaisante. Toute ma délégation remercie son Excellence, Monsieur le Ministre. Toute notre délégation remercie le gouvernement de la République. Parce que, indépendamment de toutes les questions qui se posent, le gouvernement fournit des efforts pour que la situation change. La Commission Défense et Sécurité se préoccupe sur la surmilitarisation de la province et par la gestion des réfugiés vivant dans les pays voisins pendant qu'ils ont été dénombrés et identifiés. Le retour se heurte à la carence des sites d'accueil. Le ministre d'État s'est exprimé en ce terme, je cite, « Nous avons l'obligation morale de nous battre pour changer les choses. Vous devez croire
à la sincérité de mon action, a martelé le patron de l'intégration régionale. Antipas Moussania Mouissi promet de travailler en collaboration avec toutes les communautés pour la réalisation des grands projets qui pourront résoudre les questions de surpopulation, de libre circulation des personnes et de leurs biens afin de faciliter l'intégration régionale. Après l'adoption de l'avant-projet de répartition des sièges par le gouvernement, d'aucuns s'interrogent sur l'inadéquation entre le nombre de relais publiés par la CENI et les réalités du terrain. C'est le cas de la communauté Lendour-Nituri qui plaide pour que cette situation soit régularisée en territoire de Djougou. Cette communauté a déposé son mémorandum dernièrement au secrétaire exécutif provincial de la CENI, Junior Sélémane. Répartition des sièges en RDC par la CENI. La communauté Lendou dénonce la publication des nombres d'enrôlés qui ne reflètent pas aux réalités du terrain. Une situation qui impacte négativement sur l'électorat de la dite communauté. Celle-ci a déposé un mémorandum ce samedi au bureau du secrétariat de cette institution d'appui à la démocratie en Ituri à travers son porte-parole Serge Lonema qui plaide auprès de cette institution d'appui à la démocratie pour rectifier les tirs. Les leaders notables Lendou demandent avec grande insistance à la CENI de corriger ses erreurs et de diligenter une mission d'enquête sur terrain visant à auditer les fichiers d'identification individuelle de chaque électeur car il n'est pas encore trop tard. Les erreurs sont humaines, mais y demeurer délibérément est essacé. Le secrétaire exécutif de la CENI en Ituri, Jumi Angamatadri, promet de transmettre ses revendications à qui de droit lors de la publication de l'avant-projet de loi de répartition de sièges par la CENI. Le territoire de Djougou a perdu un siège à la députation provinciale au lieu de 9 lors de la législature finissante. Il n'en reste que 8. L'actualité de ce lundi 29 mai, c'est aussi le réaménagement du nouveau site de vente abritée, un marché moderne au quartier Moussompo, territoire de Moutchatcha, province du Haut-Tolé. L'administrateur de ce territoire a assisté aux travaux. Souka Chahini sera érigé sur une superficie de 100 mètres sur 200. Il épargnera ainsi tous les vendeurs du quartier Moussompo-Méjean qui œuvrent à proximité de la route nationale numéro 39 des dangers liés au trafic des camions lourds. Ayant appris le réaménagement de ce site par le territoire de Moutchatcha, les vendeurs s'activent déjà en y effectuant quelques travaux pour y accéder dans un bref délai, accompagné d'un engin pour la célérité. L'administrateur du territoire de Moutchatcha, Amboko Masikini, était sur place. Il n'a pas tardé de donner la raison de cette activité tout en invitant les vendeurs à s'en approprier. Aujourd'hui, nous sommes décidés de descendre sur ce terrain pour visiter d'abord cet endroit qui est réservé pour la construction d'un marché moderne. Alors, c'est ce qui a fait que non, je sois là. À tous les autres vendeurs, je dirais ceci. Là où ils sont en cours de route, c'est dangereux. Parce qu'avec des tracts qui passent là à vive allure, c'est vraiment mettre leur vie en danger. Je les invite tous, c'est tellement que cet endroit a été réservé pour la construction du marché, qu'ils viennent déjà occuper et commencer à faire les activités. Une initiative louée par l'administrateur de ce marché. Nous remercions le chef de l'État d'avoir porté son choix sur cet administrateur du territoire qui est toujours à notre écoute. Cette construction est d'une importance capitale pour les habitants du quartier Moussompo-Méjean. Le parc national de la Garamba abrite les 4 plus grands mammifères terrestres du monde, soit l'éléphant, le rhinocéros, la girafe et l'hippopotame. Il a été au cœur d'une discussion entre le gouverneur de la province du Haut-Tolé et le comité provincial de sécurité. Fin à l'insécurité ayant élu domicile dans le parc national de la Garamba et aux aires protégées, la question est au centre de la réunion du comité provincial de sécurité élargie présidé par le gouverneur Christophe Bassiani Nanga ce lundi 29 mai 2023 dans son cabinet de travail. Le gouverneur d'abord nous a bien reçu et nous a proposé des pistes de solutions et tout à l'heure nous allons nous réunir avec les techniciens pour chercher les moyens. Une délégation du conseil présidentiel de veille stratégique a aussi été au rendez-vous de l'autorité provinciale.
et nous sommes venus ici à Isiro pour installer le comité provincial de suivi des activités minières. Et le président de la République est en train de fournir tous les efforts, donner l'impulsion nécessaire pour que la gouvernance du secteur minier notamment puisse s'améliorer. Dans le même secteur, une délégation du Global Community annonce à Christophe Bassiani-Nanga l'ouverture d'un comptoir d'achat d'or en collaboration avec AG et reçoit des orientations précises. Le gouverneur s'est montré très ouvert, il nous a donné des orientations. Nous allons travailler avec les différents services pour arriver à implémenter le comptoir dans la province. Côté administration publique, la division provinciale des droits en instance d'être installée dans le Haut-Touélé. Christophe Bassiani-Nanga donne son autorisation à cette délégation. Son Excellence Monsieur le Gouverneur a apprécié à sa juste valeur notre présence, l'importance de cette mission. Restons toujours dans la province du Haut-Touélé pour vous parler de ce plaidoyer des autorités traditionnelles et coutumières. C'est pour l'élévation de certaines entités locales au secteur chefferie et ville. Nous sommes dans la province du Haut-Touélé, plus précisément dans le territoire de Ouattsa, une entité territoriale décentralisée qui est subdivisée en plusieurs villages, groupements, secteurs et chefferies, dont l'un des plus importants est le secteur de Kibali, une localité qui a donné son nom à un cours d'eau qui traverse toutes les parties du territoire de Ouattsa d'une part et à la grande mine aurifère de la République démocratique du Congo d'autre part. Le secteur de Kibali, qui est dirigé par le chef Dieudonné Sourour et le Boitima, comprend six groupements, dont Mandra Mandra, Kengengo, Angoulei, Ngilinga Maïka, Tora et Mangote. Cette partie du territoire de Ouattsa, jadis un coin perdu, avec des villages aux allures ancestrales et traditionnelles, de l'ex-province orientale d'abord, et après de la nouvelle province du Haut-Touélé, où le processus du développement durable et intégral s'est conjugué dans un lointain passé, vient de subir un grand boom économico-financier, socio-culturel et politico-administratif, grâce à l'utilisation rationnelle et à bon escient de la redevance minière, payée par l'industrie minière de classe mondiale, basée à Kibali, comme le veut le nouveau code minier congolais révisé. À travers les multiples réalisations infrastructurelles à impact social visible, dont les ponts jetés sur certaines rivières et cours d'eau, les fontaines publiques d'eau potable, les écoles primaires et secondaires, les hôpitaux et centres de santé, sans oublier d'autres projets communautaires de base, lesquelles réalisations qui ont boosté les processus du développement dans ces coins du pays sont en train de métamorphoser exponentiellement les secteurs de Kibali, un coin du pays qui nécessite et mérite son élévation en une nouvelle chefferie dans les territoires de Ouattsa. Tel est le sens du plaidoyer que mènent au quotidien les chefs de secteur de Kibali Dieudonné Sourour et le Boitima à travers une curieule d'actions concrètes et efficaces qu'il entreprend sur terrain dans divers domaines de la vie nationale pour l'intérêt général de tous les habitants de Kibali en général et du territoire de Ouattsa en particulier dans la province du Haut-Touélé. Le comité consultatif permanent de l'Institut national de préparation professionnelle au Katanga s'est tenu dernièrement. Lors de cette première édition, il était question d'évaluer sur la dernière session et d'échanger sur les différents projets. On en parle avec Marie Kalong. Le comité consultatif permanent de l'INPP exercice 2023 a eu lieu. Le CCP, cadre idéal pour échange et réflexion en vue de l'amélioration et de projection du système de formation professionnelle à l'INPP au Katanga. À cet effet, le directeur provincial de l'INPP au Katanga, Joël Mokomba, a présenté à l'Auguste Assemblée le projet du site de l'INPP Kawama de 48 hectares destiné au développement d'un circuit d'apprentissage en conduite automobile de gros engins, des véhicules légers, de l'entrepreneuriat avec la plateforme d'hôtellerie, la restauration, l'agroalimentaire, la production d'énergie et bien d'autres. Le coût s'élève à hauteur de 18 659 395 dollars américains attendus sur appel de fonds. Nous sommes en train de copiloter différents projets, les projets avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui est appuyée par l'ambassade de la Suède qui vise à former des techniciens en mécanique des engins lourds et véhicules commerciaux. Le président du CCP, Faustin Kishiko, salue ces travaux.
C'est une bonne chose que nous saluons et nous avons vu par rapport aux perspectives qu'il y a deux projets qui sont en train d'être réalisés, ce qui nous encourage. Une visite dans le stand de la bande d'essai de photovoltaïque et le stand d'agroalimentaire a sanctionné cette journée. Visite d'inspection du directeur général adjoint de l'Office des routes sur la route nationale numéro 6, reliant les provinces de la Mongala à celle de la Tchopo. Le professeur Sélé Koto est allé évaluer le niveau d'exécution des travaux sur ce tronçon. Les détails avec Blaise Boukou-Kassanza. La réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière en est le souci majeur de l'Office des routes. C'est le cas de la Mongala et de la Tchopo, deux provinces reliées par la route nationale numéro 6. Profitant de sa visite d'inspection dans le Grand Équateur, le directeur général adjoint de l'Office des routes a visité quelques travaux exécutés sur ce tronçon jusqu'à 50 km de Bumba. Première escale au point kilométrique 15 où Ndalo est en construction afin de permettre la canalisation des eaux qui ont envahi la chaussée. Travaux préfinancés par la direction provinciale 330 Mongala sont en attendant la maturité du béton avant bien sûr la reprise du trafic. La durée est de 1 mois. Deuxième étape, au point kilométrique 18. Et pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux du pont Londo, un pont à béton armé d'une portée de 9 mètres, 30 tonnes, c'est bien la capacité pour la traverser. Les travaux, les deux qu'il est déjà posé, il ne reste que la superstructure et les éléments hydraulatifs sont déjà stockés. Troisième et dernière étape, au point kilométrique 50, pour découvrir un imposant pont, l'UECA, qui cohabite pacifiquement avec le pont rail du chemin de fer de l'Ouélé, qui n'existe plus que des noms. Le pont Lueka, jeté sur la rivière qui porte le même nom, a été construit en 2014 sur financement de la Banque mondiale au travers du projet ProRoute. En attendant la réhabilitation totale de la RN6, le DGA, l'Office des routes, en fait ce constat. Sur la route, il y a nécessité de réhabiliter vraiment la route. Il y a une urgence, parce que c'est une route qui va jusqu'à la province orientale, à la Tchouk, parce que c'est, bien sûr, c'est une année électorale. La population a besoin de voir la route. On peut étudier la main-d'œuvre locale pour que la route soit accessible. Donc, et il faut remercier le chef de l'État qui a déjà donné mis des moyens à la disposition de la province, donc à la direction provinciale de l'Office des routes, pour faire cette route ici. Raison pour laquelle nous sommes là. Prochaine étape, Guémena, dans le Sud-Ubangi, c'est avant de se rendre à Guadolité. Nous sommes dans la province du Nord-Ubangi. À l'Agence congolaise des grands travaux, il y a eu aujourd'hui l'élection de la délégation syndicale pour l'exercice 2023-2026. C'est la liste du syndicat travailleur qui a été élu à tous les niveaux. L'ingénieur Ludovic Lemandi en sera donc le président. Iverson Kaboba. De chaque nom, le votant s'avance vers le bureau de vote, retire le bulletin et va dans l'isoloir pour faire son choix. L'ensemble des agents présents à Kinshasa a pris part à ce vote qui s'est déroulé dans la salle des 40 places de l'immeuble Paul Panda. Ceux étant à l'intérieur ont voté par mail et leurs votes ont été également comptabilisés. À l'issue du vote, la liste du syndicat des travailleurs de la CGT a été votée à la majorité absolue. Elle aura pour président l'ingénieur Ludovic Lemandi. Sur les 145 votes exprimés, nous avons 4 votes nul et nous avons 141 votes valablement exprimés pour le STACGT. Nous pouvons acclamer nos chers amis de l'STACGT. Les opérations de vote se sont tenues sous la surveillance de l'inspection du travail représentée par M. Jean Makoukou, assisté de Séraphin Bitori. Pour rappel, le vendredi 19 mai dernier avait eu lieu l'Assemblée générale des agents de la CGT où 3 syndicats avaient présenté leur structure en vue de ces élections syndicales exercice 2023-2026. Il s'agit de la générale syndicale GS, la force démocratique des syndicats FODESI et le syndicat des travailleurs de la CGT, STA-CGT. Seule la dernière cité a rempli les conditions pour concourir à cette élection. Comment résoudre les problèmes de congestion portuaire ou encore des stocks de marchandises en attente dans les ports? La question a été débattue au cours d'une conférence de presse animée conjointement par la DGA à Congo Central, la SITP et le transport Maersk.
conférence de presse conjointe, il était question de l'évolution du fonctionnement des procédures de transit douanier des marchandises dans la province du Congo central. Un accent parce qu'il a également été mis sur les stratégies de résolution des problèmes des congestions portuaires et surtout des stocks de marchandises en attente dans les ports limitrophes. Parmi les actions prioritaires figurent notamment à partir des pays d'exportation, l'opérateur économique choisit l'envoi de ses marchandises vers Matadi et par le transporteur Maersk. Maersk réceptionne les marchandises qui vont arriver au port de Lonaka. On fait le déchargement, on fait le constat sous palan et directement on met ces marchandises sur le moyen de transport qui sera acheminé vers Ticom. Alors le deuxième produit, c'est le shift de convenience, c'est-à-dire le conteneur de groupage. Et c'est là, sans payer aucun frais supplémentaire. Mais les frais à payer pour tous vont correspondre aux frais à payer comme si la machine se trouvait toujours dans le port de Lonaka. Par ailleurs, les autorités provinciales de la Société des Transports et des Ports restent décidées et déterminées à honorer leurs engagements. Nous venions de remotoriser, c'est-à-dire on a acheté des moteurs neufs pour des autobus et c'est sur 3 engins autobus que nous avons pu monter et ils sont déjà opérationnel. Les échanges avec la presse se sont déroulés dans une ambiance bon enfant. Le cercle des anciens élèves du collège Saint-Joseph Elika a célébré l'excellence de sa structure à travers la 15e édition du prix dénommé Prix Père Graffel de la Quétule pour récompenser les meilleurs élèves. Une action qui vise également à aider cette école en lui remettant des bons. Yolande Voka. Ils ont laissé de traces indélébiles dans le palmarès du collège Saint-Joseph Elikia. Réunis en cercle des anciens du collège à travers le monde, ces anciens élèves ont toujours une pensée sur cette école qui les a vus naître et grandir intellectuellement. Sur ces, les cassiples, comme on les appelle, décernent chaque année un prix aux meilleurs élèves qui ont obtenu 80% et plus. Nous sommes à la 15e édition de ces prix dénommés Prix Père Raphaël de la Quétule, qui consiste également à remettre aux lauréats une enveloppe de $250 et d'autres kits scolaires. Question de les encourager. Ces gestes de la part du CAC expriment les patriotismes qui caractérisent les anciens du collège Saint-Joseph Elikia. Nous avons reçu ici la formation solide qui fait de nous de grands hommes. Il ne faut pas oublier sa mère nourricière. La sève intellectuelle, nous l'avons reçue ici. Nous devons être reconnaissants, revenir pour poser des actions positives pour le développement de ce pays qui en a vraiment besoin. C'est simplement l'amour, les valeurs qu'on a reçues ici au collège. C'est ça qui nous motive pour pouvoir, après 15 ans, on tient le coup. Ce n'est pas facile, mais c'est notre béaba. Les cassiples du Canada, États-Unis, France, Belgique, Ghana et de partout ailleurs ont posé un geste pour améliorer les conditions d'études en faisant un don de banc à l'école collège Saint-Joseph Elikia. La journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année dans le cadre de la série d'activités organisées en marche de cette journée. Abigail Wanzambi, administrateur au FPI, a visité le Centre national de transfusion sanguine. Les préjugés et rumeurs autour du don de sang et de ce fait, fidéliser les donneurs. Les centres nationaux de transfusion sanguine s'interrogent sur la faible collecte qui oscille autour de 33%. D'où un acte de solidarité pour sauver des vies. C'est ainsi qu'Abigail Wanzambi, et administrateur au Fonds de promotion de l'industrie, a répondu à cet appel. Bref échange avec le directeur général du CNTS qui lui a brossé un état des lieux de son service. Et vient ensuite l'acte de solidarité posé en marge de la journée du don bénévole des sang par Abigail Wanzambi, suivi des membres de sa délégation. Je viens de donner du sang, de mon sang. Je suis sûr que j'ai sauvé une vie en donnant de mon sang. Le don de sang est une marque qui raffermit les liens sociaux. Et même par cet acte, ça contribue à établir une nation fondée par l'amour du prochain. C'est cette motivation qui m'a emmené avec toute mon équipe
à venir visiter la banque de sang et à donner le sang en marge de la journée mondiale reconnue par l'OMS, qui est la journée de don de sang. Et nous avions eu à établir certains problèmes ou desiderata ensemble avec les DG. Nous allons voir en quelle mesure du possible faire entendre leur voix aux personnes concernées. S'en est suivi la visite des différents services du Centre national des transfusions sanguines. Parlons présent de cette cérémonie d'installation de l'unité mobile d'intervention d'urgence dans la commune de Selimbao pour porter secours à la population de Kinshasa en général et celle de cette municipalité en particulier. Le président provincial de la Croix-Rouge, Kinshasa, a présidé l'activité. Les secouristes de cette unité mobile d'intervention d'urgence ont bénéficié de la formation niveau 1, une session basée essentiellement, entre autres, sur les connaissances du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Les premiers secours à base communautaire, à cela s'ajoutent également les pratiques de la théorie par les simulations sur le bandage, le transport des malades et tant bien d'autres. Tout ceci afin de les rendre aptes et efficaces dans l'assistance des communautés et porter secours à la population en détresse, victime des épidémies, maladies, accidents, catastrophes et d'autres difficultés auxquelles elles sont confrontées. L'équipe mobile est composée de 40 personnes. Avec 40 personnes là, nous pouvons faire face avec des situations de catastrophes dans la commune de Selimbao. Alors, c'était au cours de la réunion au mois de janvier, on avait remarqué qu'il y avait trop d'accidents au niveau de la commune de Selimbao. C'est pour cela avec le membre du comité communal, on s'est dit que nous puissions créer une équipe que nous pouvons faire face avec des situations de catastrophe, que nous puissions aider la population de la commune de Selimbao. Le président de la Croix-Rouge, branche Kinshasa, a salué cette initiative louable. Ce n'est pas la première parce que Njili a aussi une bonne équipe. Nous connaissons comment la brigade Njili a fait la fierté. Il y a aussi la brigade au niveau de Maluku et Nsele. Demandons aux autres présidents communaux d'emboîter les pas, de faire le travail que le président Mouloutou vient d'abattre. Il a galopé et il a fait beaucoup de choses extraordinaires au niveau de sa commune. Précisons que cette unité mobile d'intervention d'urgence vient donc renforcer les équipes déjà en place qui sont opérationnelles dans les différentes communes. Faciliter l'accessibilité au mariage et à l'enregistrement à l'état civil, c'est l'objectif du programme lancé par le Conseil national des religions pour la paix et l'église des saints des derniers jours. La cérémonie a connu la participation de l'Union de l'ancienne ministre du genre, enfants et famille, Gisèle Ndaya-Luciba, le point avec Sédé Kenina. Qui a la forme idéale d'un plaidoyer pour la promotion de l'unité et la stabilité de la famille. Projet porté par le Conseil national des religions pour la paix et l'Église des saints des derniers jours, et qui consiste dans la pratique à la sensibilisation et accompagnement de couples pour obtenir des allègements pour l'accès au mariage et enregistrement à l'état civil. Une initiative saluée par la ministre honoraire du genre, Gisèle Ndaya-Luciba, invitée pour la circonstance et qui a promis d'œuvrer pour sa réussite à travers son cabinet d'experts en genre. Je vous rappelle que c'est l'initiative de l'Église qui répond à l'un des objectifs principaux du ministère du genre, famille et enfants, qui parle de l'unité, la stabilité et la promotion de famille. Et comme ministre du genre en son temps, j'ai personnellement accompagné ce projet comme une marraine. Avec mon nouveau bureau de consultance en genre, GNL Expertise, je reste plus que disponible à toutes ces sollicitations. Pour illustrer cet engagement, une célébration collective et symbolique des cinq mariages a eu lieu avant la remise des codes de la famille au couple marié. La loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, la société civile attend qu'elle soit adoptée. Voilà le sens de la tenue de cette conférence débat. Question de faire un état de lieu de cette loi. Anastasie Doumbouzou-Nsaka, le reportage.
L'Assemblée nationale, depuis décembre 2022, est renvoyée au Sénat pour seconde lecture la proposition des lois portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme n'est toujours pas alignée au calendrier du Sénat. Les groupes de travail de suivi de cette loi a tenu une conférence de presse sur l'état des lieux de cette loi en vue d'un plaidoyer auprès de la Chambre haute pour que cette proposition soit inscrite à l'ordre du jour. Cette proposition de loi qui va garantir la sécurité des défenseurs des droits de l'homme est une urgence pour les activistes des droits de l'homme. Nous avons voulu évoquer l'état des lieux actuel, mais aussi en même temps montrer ses rattachements à cette loi que nous estimons protectrice des défenseurs des droits de l'homme et par ricochet aujourd'hui les autres catégories évidemment qui rentrent dans l'ensemble de la défense et de la protection de la promotion des droits humains. Donc nous sommes en train d'organiser ces suivis pour avoir l'assurance encore une fois que le texte ne sera pas dénaturé. D'abord au niveau de la définition de défenseur des droits de l'homme parce que nous estimons que tel qu'est prévu par la déclaration des Nations Unies sur les défenseurs aujourd'hui, toute personne qui travaillent individuellement ou en association, mais au niveau des activités de promotion de défense des droits humains, peut être reconnu comme défenseur des droits de l'homme. Ce groupe de travail continuera à suivre l'évolution de la loi jusqu'à sa promulgation par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque autorité devra accorder le bénéfice de l'urgence à cette proposition de loi. L'Action congolaise pour la tolérance et l'égalité a désormais un nouveau président national. Il a été réélu récemment dans la ville de Bandundu suite au décès de l'initiateur du parti, feu honorable Michel Balabala. Image et commentaire. Après son élection par le Congrès au poste du président national de l'Action congolaise pour la tolérance et l'égalité du fait du décès de son initiateur et président national, feu le professeur Michel Balabala, l'honorable Donald Sindani Kandambou a foulé ce week-end la ville de Bandundu où, sous un soleil accablant, cadres, militants et sympathisants ont effectué le déplacement de l'aéroport national de Bandundu, lui réservait un accueil digne d'un fils du tiroir. Le Congrès de notre parti a souhaité que je devienne président national du parti. Il était normal que ce parti qui est né dans cette ville, le seul parti qui puisse naître dans la ville de Bandundu. Il était donc normal que je vienne pour ma première sortie comme président national et je vous informe que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a signé depuis hier la lettre confirmant que le parti politique acte a désigné son président national à ma personne. À la chute de la marche, à cette occasion, au siège du parti, l'honorable Sindani a adressé un message d'encouragement et d'espoir aux militants et les a invités à soutenir les actions du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de la province du Kwilu. Il appelle ses membres à se ranger à l'ordre de bataille pour la députation nationale et provinciale et accorder au chef de l'État un second mandat. Réalisé par Monique Mavungu, c'est la fin de cette édition. Merci de continuer à nous suivre partout dans le monde. Retrouvez tout à l'heure à 20h Anita Lomba pour un nouveau point d'actualité.